qui laisse à Gagnon, qui les remet à Bergeron. Bergeron frappé, puis on chasse. J'espère. J'espère. Puis Veilleux qui vient frapper Dumoulin. Et là, Dumoulin qui en rajoute sur Veilleux. Mêlée qui éclate. Dumoulin qui en donne une correction à Veilleux. A pas encore enlevé le casse. Et là, c'est Denis qui en a mal à partir avec ses boutets, je pense. Ouais, c'est Boutet, c'est le frère. C'est le frère de l'autre. Et là, j'ai hâte de voir... Si on va en donner deux. Ben oui, parce que là, non seulement il y a eu la pénalité... Puis Tommy Veilleux vient de faire exactement pourquoi il est payé à soir. C'est de faire sortir des... C'est de faire sortir un joueur de Thetford puis qu'il essaye de l'assommer. Sauf que là, est-ce qu'on va donner un 2 supplémentaire aussi... Mais pourquoi Tommy Veilleux, il y a un 2? T'sais, pourquoi Tommy Veilleux, il y a un 2 là-dessus? C'est ce que je me demande. Il a mangé 5 coups de poing d'en face. C'est quoi qu'il a fait avant? L'as-tu vu? T'as-tu la reprise, ben, Olivier? J'imagine que... Évidemment, c'est ma théorie. Là, c'est pas la vérité absolue. Mais j'imagine que vu qu'il a été impliqué dans la mêlée par la suite avec Dumoulin, ben on a pas... Ouais, c'est ça, Dumoulin, ben on a donné un 2 aussi. Il est où, Dumoulin, là? OK. Fait qu'on va chasser Tommy pour ça? Pour darder? Écoute, c'est quand même lui qui a démarré ça. Fait que on va, OK. Pierre Cloutier donne un... Pierre Cloutier est le premier à fesser sur la mêlée. On lui donne pas 2, puis on donne un 10. Ben écoute, c'est selon les officiels, personne ne calme les matchs pareils, malheureusement.